Salut à tous, c'est Alizéa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dokkan Battle. Aujourd'hui, nous allons faire un point un peu sur la méta. Je vais travailler différentes équipes, les différentes méta actuellement disponibles. Alors, méta catégorie et méta néo God tier. Alors, on va pas s'occuper des God tier parce que ça n'a pas forcément bougé et que c'est pas le plus intéressant, ou du moins le plus performant actuellement. On est en train d'évoluer vers une méta catégorie qui laisse en fait les néo-god tiers un peu en retrait. Alors les god tiers, on n'imagine même pas quoi, la différence de potentiel qu'il y a. Donc je vais faire différentes vidéos pour présenter un petit peu les différentes équipes, top équipes on va dire, présentes dans les catégories où les néo-god, donc extrême puissance, super puissance, etc. Il nous manque pour le moment le néo-god extrême tech et le Neo God Super Endurance. Donc je vais vous présenter un peu toutes les autres équipes avec les personnages les plus intéressants, avec d'autres qui peuvent être mis en place si jamais vous n'avez pas le entre guillemets, bon personnage. Ça reste quand même extrêmement intéressant, extrêmement puissant. Et là on va s'attaquer à la team donc Fusion Métamol. Donc le leader c'est Gogeta. Donc actuellement sur le portail de Janemba, si je dis pas de bêtises. Donc vous pouvez le récupérer enfin, si vous avez de la chance. Donc ça sera notre leader, hein. Pas d'autres leaders dans cette équipe-là. Donc c'est HP, attaque et def plus 150% une fois de can pour toutes les unités fusion métamol et ki plus 3 attaque HP et def plus 50% je crois pour le type tech. Si l'unité n'est pas fusion. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu aussi l'équipe avec ça, je me suis bourré, ça va là. Donc tout ce qui est à l'intérieur, donc ici le Gogeta intelligence, c'est le choix prioritaire. Si jamais vous n'avez pas de Gogeta intelligence, vous pouvez partir sur un Gogeta puissance qui fait le café aussi. Moins que le Gogeta intelligence, mais qui fait le café. Donc voilà, c'est la première unité, c'est le Gogeta, Gogeta Intelligence ou Gogeta Puissance si vous ne l'avez pas. Ensuite, de l'autre côté, on a le Gotenks SSJ3, le Tech, qui sera ultérieurement remplacé par le Gotenks SSJ3 Endurance, qui lui est le Neo God Leader Super Endurance, donc qui arrivera, j'espère, bientôt, peut-être d'ici la fin de l'année, on verra bien. Donc voilà, c'est cette unité et j'ai pas spécifiquement de remplacement. Après, on pourra utiliser ces unités-là derrière. Je vous expliquerai pourquoi après. Ensuite, nous avons le bloqueur de spé qui est le Gotenks Super Saiyan. Si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez passer sur le Gotenks Super Saiyan Puissance ou le Dokkan donc du Gotenks, je crois, en tech. Alors, vous ne pourrez pas mettre ces unités-là tout ensemble parce qu'elles portent le même nom. Du coup, il va falloir choisir en fait. Donc c'est pour ça que privilégier cette unité-là, ensuite celle-là et ensuite celle-là. De l'autre côté, on a les supports et par ordre de priorité, on prend Pandel bien sûr qui s'associe bien mieux avec la team fusion vu que c'est un personnage fusionné. Et donc du coup, profite du bonus de Gogeta de 150% d'HP, attaque et def. Alors que le Végétotech, lui, même s'il apporte un peu plus de DPS si par un spé, va bénéficier que du petit bonus de Gogeta, donc qui est plus 3 et attaque de fait HP plus 50%. Donc à voir. C'est deux solutions qui sont viables pour justement la team Fusion. Et en dernier, donc le. J'ai oublié son nom. Le Godok, voilà. Le Godok ici, qui est un très bon knocker, enfin très bon. Il est bon et en plus à chaque fois qu'il récupère du ki, donc c'est de l'attaque et de la def en plus. Donc du coup ça fait un off-tank plutôt sympa, sachant qu'ici on debuff l'attaque et la def. Ici on peut debuff la def. Ici on bloque l'attaque spé et on buff tout le monde. Donc on a une équipe qui est plutôt homogène. Donc c'est plutôt intéressant. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez partir sur le Goli, qui est un bon cogneur. Sinon, vous pouvez partir sur ces unités-là, le Gotenks en classique. Sachant que celle-là, c'était une spé farmable.
C'était, je crois, une spé farmable. Donc, du coup, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà 100%, etc. Donc, on peut faire le café. Après, comme je disais, les Gogeta ensemble, on peut pas en avoir, on peut pas avoir les deux. Ici, c'est pareil, on pourra pas avoir les deux. Ici, on pourra pas avoir les trois. Donc, du coup, si jamais vous avez une de ces unités-là, remplissez avec ces unités ici ou ça. Vous pouvez très bien mettre Pandel et Vegetotech, hein, si vous voulez, dans la team. Un par rotation, du coup il y aura tout le temps du buff, du ki, etc. Un peu partout. Donc ça pourra permettre d'augmenter votre team. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait besoin de deux supports pour cette team là. Après, à vous de voir, en fonction de ce que vous avez aussi. Donc vous pouvez très bien placer après les unités un peu où vous voulez. Mais voilà un peu la base. Donc Gogeta SSJ4, Gogeta Intelligence, Gotenks SSJ3 Tech, le Gotenks Super Saiyan en endurance, la Pandel et le Godok. Voilà pour la team Fusion Métamol. Je ferai une autre vidéo pour ce qui est du Dragon Maléfique et puis après on partira sur les Néo-Gods, etc. Donc dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous souhaitez que ça soit retravaillé différemment, plus visible, moins visible? Est-ce que c'est plus d'explications, quoi que ce soit? Dites-le moi dans les commentaires. Je verrai comment améliorer ces vidéos. Voilà, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner pour voir de futures vidéos d'Okan Battle. Moi sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!